Et si un jour les avions pouvaient voler avec du carburant propre Eh bien écoutez, on n'est pas loin de voir cette réalité prendre forme. Comment faire des avions plus propres L'avion électrique, certes, c'est intéressant, mais franchement, ce n'est pas pour tout de suite. Il y a aussi les biocarburants. En mars 2022, un Airbus A380 a effectué un vol de 3 heures avec un carburant à base d'huile de cuisson. C'est une alternative au kérosène. Mais ce n'est pas la seule. À partir de 2023, la compagnie aérienne suisse utilisera du kérosène solaire. De quoi s'agit-il On prend du CO2 et de l'eau et on les bombarde d'énergie venant du Soleil grâce à des fours solaires. Ça nous donne un carburant solaire. Mieux paraît-il que les biocarburants, car ça ne mobilise pas de terres cultivables. Bonjour Gianluca Ambrosetti. Bonjour. Vous êtes PDG de Cineleon, une entreprise suisse qui fabrique donc du kérosène solaire. Qu'est-ce que c'est exactement Les carburants solaires, euh, le kérosène solaire, en fait, euh, c'est un carburant qui a toutes les caractéristiques du kérosène fossile, mais qui en fait est fait de manière euh, renouvelable en partant de l'énergie solaire. Comment est-ce que vous fabriquez ce, ce carburant En fait, c'est assez simple. Ce qu'on fait, on essaye de renverser la combustion. Quand on brûle un carburant, un hydrocarbure, on le brûle avec de l'oxygène, une flamme donc qui me donne de la chaleur, qui me donne de l'énergie, et comme produit chimique, comme résultant chimique, j'ai de l'eau et du CO2. Donc je peux prendre, euh, j'essaie de, euh, je veux prendre ça, essayer de faire euh, ce résultat et essayer de faire le contraire. Donc je prends le sur deux, le, euh, le vapeur d'eau. Euh, je le mets dans un process où naturellement il faut mettre beaucoup d'énergie dedans et euh, de ce processus, euh, voilà, naturellement avec quelques étapes intermédiaires, j'arrive à renverser la combustion, à obtenir euh, mon carburant et l'oxygène. Et alors est-ce qu'on peut dire que ce carburant est non polluant oui, disons que du point de vue de l'émission de CO2, il est neutre. Ça veut dire que quand on le brûle, on a encore les émissions de CO2. Mais si sur la même échelle temporelle sur, dans laquelle on le brûle, on le reproduit, donc on fait l'inversion de la combustion, j'ai un, un cycle qui est neutre, qui est neutral parce que je émets la même quantité que dans, dans, dans la même échelle temporelle, je sors de l'air et je mets euh, dans le carburant avec l'inversion de la combustion. Donc, très concrètement, ça ferait, ça fait, euh, par exemple, euh, si des avions se mettent à utiliser votre carburant, euh, ça permettra d'avoir euh, des avions propres, entre guillemets. Et c'est d'ailleurs ce qui va être fait par euh, la compagnie aérienne suisse, qui va être la première compagnie au monde à utiliser votre carburant à partir de l'année prochaine. Exactement. Alors, disons qu'il y a deux dimensions. Une, est euh, naturellement la capacité productive de technologies comme, euh, des carburants solaires, comme euh, celles que nous on fait. Il y a des autres voies pour faire ce qu'on appelle, euh, en jargon, les sustainable aviation fuels. On n'est pas le seul, il faut le dire. <laughs> Et ça se soucie bien parce qu'il faudra, euh, il faut beaucoup de quantités, non, pour avoir substitué substituer les fossiles. Et euh, on n'est pas encore là. Euh, nous, on commence, des autres, on commence aussi. Euh, il y a déjà de, de quelques produits euh, qui sont sur le marché, de, qui ont une racine biologique, qui sont des euh, biocarburants avancés, mais il y en a très peu. Donc, une des choses qu'il faut faire, qui, c'est vraiment créer le volume, la capacité productive avec toutes ces technologies pour arriver vraiment à substituer. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension... Pour les avions, le, le, il y a des règles assez strictes, disons, sur les spécifications qu'un carburant doit respecter pour être mis dans un avion civil. Donc là, maintenant, avec toute cette voie, on doit encore faire un blend à 50-50. Donc, on ne peut pas encore vraiment faire un vol 100% avec carburant euh, renouvelable. Ça, ce pas encore permis. Et peut-être quelques petits changements dans les moteurs et dans les systèmes de carburant parce que les carburants sont presque identiques. Mais si on veut faire, on veut rentrer un peu plus dans le détail, il y a des composants comme les aromatiques qu'il y en a moins. Alors là, il y a des matériaux qui, euh, qui deviennent plus fragiles quand il n'y a pas des, euh, des aromatiques dedans, type les orines. Euh, donc il faut faire un peu de changement. Ça, c'est déjà un détail. Est-ce qu'on peut euh, considérer que ça représente vraiment une voie d'avenir pour euh, la décarbonation des, des, des carburants ou alors c'est encore trop expérimental selon vous Au contraire, c'est absolument, euh, nous on croit beaucoup dans la possibilité des euh, carburants synthétiques et renouvelables. On a euh, des technologies comme la nôtre, mais aussi comme des autres, qui peuvent vraiment atteindre une échelle globale. Est vraiment, euh, est vraiment jouer un rôle central dans la transition énergétique parce qu'il faut euh, se souvenir que les carburants chimiques ont des propriétés qui les rendent très 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 dur à substituer. c'est pas seulement qu'on veut garder le status quo. En fait, la densité énergétique euh, gravimétrique et volumétrique, donc en poids et en volume, le carburant chimique, c'est énormément supérieur à celle, disons, des mêmes meilleures batteries qu'on a aujourd'hui. On parle de 40, 50, 60 fois. Donc, c'est vraiment un autre niveau. C'est aussi la raison pour laquelle, même s'il y a un débat sur l'électrification des voitures, même sur les camions, euh, il n'y a pas vraiment ça pour les avions. Notamment, il y a des avions électriques pour des courtes distances, il y a des avions électriques pour... Peut-être on peut faire le taxing électrique des avions, mais le, le long haul, non, le, travail, le, le voyage intercontinental en électrique, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment loin. On parle de l'hydrogène qui peut être aussi un élément de la transition, mais on fait, même avec l'hydrogène, faire un avion à l'hydrogène, Airbus essaye, c'est très difficile parce que la gravimétrique, donc du poids, Fantastique. Mais volume, c'est difficile. Même liquide, euh, il, faut, il faut un volume euh, beaucoup plus grand pour mettre tout l'hydrogène qu'on a besoin pour un vol transatlantique dans un avion. Donc la voie de faire les carburants qui ont exactement les mêmes propriétés chimiques mais qui sont faits de, de façon renouvelable, on croit que c'est vraiment un game changer dans la vie d'aujourd'hui et un des éléments nécessaires de la transition énergétique. Est-ce que ce carburant pourrait servir à d'autres véhicules, à des voitures, par exemple, ou à, à d'autres équipements qui aujourd'hui utilisent de, du pétrole Absolument. Euh, on fait, on peut les, les, les voitures, les camions, les, les, les navires, donc euh, les, les, les bateaux. On peut l'utiliser partout. Donc le diesel, le jet, le gasoline. Euh, nous, on croit que les, les carburants euh, synthétiques sont très intéressants, même pour le transport sur roue. On peut dire même que de demain, de demain, il y aura seulement des voitures électriques, mais il y a un, un parc de, de, de véhicules euh, avec le moteur à combustion interne qui sont des milliards de voitures par, par tout le monde qui, qui vont encore circuler pour les prochaines 30-40 ans. Donc, euh, même si on électrifie tout, il y a une nécessité pour beaucoup de années d'avoir des carburants chimiques. Merci beaucoup, Gianluca Ambrosetti, PDG de Cineleon.